ravi de vous voir, Hans. Vous connaissez Mason? On va pouvoir donner l'assaut. Cassim est dans son logement, mais il est bien protégé. Je peux tenir mes hommes hors de la zone pendant un quart d'heure. J'espère que vous avez une armée. On a ce qu'il faut. C'est un plaisir de traiter avec vous, Hans. Allez, Woods est pressé de s'échauffer. On ne peut pas le décevoir. Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le gameplay découverte, test de Call of Duty Cold War sur PlayStation 4. Édité et développé par Activision et Treyarch en compagnie de Raven Software, l'un se chargeant du mode online et l'autre du solo. Sorti officielle le 13 novembre 2020 et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Bon, j'ai décidé de me lancer dans la première mission. Hein. Est-ce qu'on peut avoir... Non, on ne peut pas avoir une double arme. Mais je joue pas au PM, moi, de base. Regardez-moi ces salauds. Ils ont pris les fusils d'assaut. Ce connard est un paquet. Le grand retour, bien entendu, de Woods et Mason. On est dans la licence Black Ops, accompagné de Adler, qui a, selon moi, franchement, hein, beaucoup de gens disent que je me méprends, mais pour moi, il a vraiment la dégaine un peu à la Brad Pitt dans un Tarantino. Il a clairement la dégaine de Brad Pitt, je trouve. Enfin, je sais pas. Enfin, bref. Le jeu n'a pas... Pas de notes encore pour l'instant, vu que je fais le test relativement en avance, mais certains sont d'avis dans les sites communautaires de lui mettre une note approximative de 18 sur 20. Est-ce qu'il le mérite? Personnellement, je suis plutôt friand de ce Black Ops-là, parce que on est vraiment dans du retour aux sources. Vraiment dans du retour aux sources, ça, c'est cool qu'un Black Ops nous relance dans un mode où est-ce que il n'y a pas d'armes futuristes, pas de double saut, à la limite un slide et ça suffit. Franchement, c'est très très plaisant. Vous pouvez le voir, le jeu est quand même très très beau, le son est super, pousse à l'immersion clairement. Le jeu est équipé donc du coup d'un mode solo qui va devoir être téléchargé en 3 parties. Oui, 3 parties d'une quinzaine de gigas chacun, chapitre 1, 2 et 3. Reste appuyé sur R3 pour avoir un bouclier, mais c'est super ça. Il se prend les balles pour moi, quoi. Excellent. Du coup, voilà, télécharger en 3 parties. Un mode online, bien entendu, avec son fameux nouveau mode bombe sale, sur lequel on va se projeter juste après cette mission solo. Hein. Pour habitude, je prends toujours une mission solo, puis après une petite partie d'online, pour montrer le plus possible durant ce gameplay découverte. Le mode zombie, qui est de retour, c'est un Black Ops, rappelons-le. Le Warzone, qui est intégré, pas besoin de le supprimer si vous aviez l'ancien Call of Duty. Gardez votre Warzone, vous pouvez jouer depuis Cold War. Et donc, le tout, sur la boîte, il y a quand même écrit 190 gigas à prévoir. 190, c'est énorme. À savoir que, après toutes les mises à jour, on estime que le jeu pourrait atteindre les 240 gigas. C'est simple, vous avez un Call of, vous avez un Red Dead dans votre console, et votre console c'est une 500 Go, vous n'avez pas d'autres jeux. Et ça c'est un gros point négatif. Il faut vraiment que Activision, qu'Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer fassent quelque chose pour réduire le poids de leur jeu, parce que c'est plus possible. On peut clairement pas profiter d'une console en lui supprimant limite un tiers de sa capacité. C'est pas cool du tout. Toujours ces petits moments d'animation dans le solo, ça c'est toujours incroyable. C'est trop trop bien. On a vraiment eu des cinématiques de ce style à partir de MW3, je me rappelle. Et maintenant c'est intégré, c'est de façon très 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 récurrente. Mais on peut choisir. Ça c'est nouveau ça, on peut choisir. Par contre il parle pas. Mal la situation. Oh. Adler je l'aime, ça y est. Ça change tout. Non, il est en Turquie. Il est à rendez-vous à l'aérodrome de Trabzon. Il va falloir les péter en Turquie. Je vous jure, j'en sais rien. Il communique seulement par message codé.
Ah. Ouais. Non, on va le capturer. Je pense que il va plus souffrir en étant entre nos mains que si on devait le tuer maintenant. Quelque chose me dit qu'il va en chier. Hudson, on t'apporte un cadeau. Il est à Trabzon en Turquie. Mason, jette un œil. Donc on se retrouve juste un petit peu après, et c'est le fameux moment de la mission que l'on a vu déjà en vidéo, avec le retour de la RCXD. Pas mal d'atouts et de killstreaks que l'on a connus dans les anciens qui seront présents dans celui-là. Non. Il y a un véhicule, à gauche. Il est donc dans cette voiture. Arrache peut-être dans la bagnole. Ça m'en a tout l'air. Ça m'en a tout l'air. Tirez pas, on doit en être bien sûr. C'est notre homme. Oh, et en plus, on peut lui mettre une balle. Ah, c'est scripté, c'est vrai. C'est celui de devant qui se la prend quoi qu'il arrive. C'est l'heure du gunfight. Allez, on fait le ménage, on termine cette mission et on part en online. On va découvrir le nouveau mode. A savoir que pour le mode online, franchement, je trouve que c'est l'un des meilleurs call-off auxquels j'ai pu jouer pour le mode domination. Si vous appréciez ce mode, alors là, les cartes sont vraiment faites pour profiter au maximum du mode domi, clairement. Et pourtant, je suis pas un gros joueur de domination. J'étais plutôt moi chacun pour soi ou MME basique en 6v6. Mais là, wow, je suis obligé de lui dire bravo à ce call-off, clairement. Les animations sont vraiment folles. La DA est incroyable. Vraiment. Il est très 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 beau ce call-off. Vraiment très très beau. Allez, c'est l'heure de faire joujou avec la Hot Wheels. Ok, le boost c'est L3. Oui, mais si en plus ça tire aux roquettes dessus... Ouh, oui, non mais ça me le vise... Ouais, clairement. Allez, kaboum! Ça c'est kiffant. Michael Bay est derrière toutes ces scènes. Incroyable. Je vous laisse avec cette scène, de toute façon, et on reprendra avec du online. T'aurais dû libérer les otages pour que tu le pouvais encore. Les otages. Mais les otages n'ont qu'une importance. Son plan est déjà en marche. Vous ne pourrez pas l'arrêter cette fois. De qui tu parles? Perseus. Foutaise, Perseus est mort. Depuis tout ce temps, vous n'avez donc rien compris. Perseus va brûler l'Occident. Faut qu'on raconte ça à Hudson. On cherche des survivants sur le tarmac et on rentre. C'est qui ça, Perseus? Il y a déjà du monde. Bon, faut pas s'étonner si pas mal de choses s'affichent. Hein. C'est le tout début du jeu. Bah voilà, suffit que je le dise. Beaucoup de textures, de clipping, mais bon,
on va sûrement avoir une mise à jour de 30 milliards de gigas qui va corriger ça. Le baume sale, qu'est-ce que c'est? Vous êtes 4, vous nous voyez en bas, de couleurs différentes. Il y a 5 spots à faire péter, 5 bombes, A, B, C, D, E. Là, la E va bientôt exploser, on prend la game en cours de partie. Nous sommes l'équipe Prowler, à nous 4. 14 points, on est 10ème sur les, ben, sur les 10 équipes. Nous sommes qu'il y a 10 équipes. Et l'équipe Tempête en a 132. Une fois que les 5 bombes ont explosé, je me suis fait shooter par un tank, quoi. Incroyable. Une fois que les 5 bombes ont éclaté, 5 nouvelles apparaissent jusqu'à qu'une équipe arrive à 500 points. Tuer des gens vous rapporte ce qui s'appelle de l'uranium. L'uranium, vous devez les apporter près des bombes, et dès qu'elles ont le quota d'uranium nécessaire, vous pouvez activer les bombes. C'est même pas lui qui m'a terminé, c'est son collègue à droite, quoi. Le hitmarker, je l'ai eu à droite. En plus, il s'est fait écraser. Oui, non, on était clairement en mauvaise posture. Bon, allez, on va essayer de redémarrer bien. Vous pouvez rechoisir, bien sûr, d'apparaître sur vos collègues, à moins qu'ils soient en danger ou en barreau d'honneur, vu que quand vous êtes au sol, vous pouvez être réanimé un peu comme dans un Warzone. Ou alors, choisir ce que je fais quasiment tout le temps, le largage aérien. Ça vous permet d'aller à des endroits plus... plus spécifique, plus intéressant. Donc là, je prends un B bien loin pour qu'il n'y ait personne. Et j'espère que mes collègues sont un peu smart, sont un peu intelligents. Oui, c'est bon, le bleu arrive, c'est parfait. Le orange a pop sur nous. Allez, on est 3 sur 4. Je pense qu'ils ont compris qu'il fallait jouer les bombes. Ce sont des joueurs qui jouent l'objectif. C'est cool. On va essayer surtout de remonter, c'est l'objectif. 135 à 18. Tuer des gens vous rapporte 5 uranium, ouvrir des caisses vous rapporte de 2 à 5 en fonction de la rareté de la caisse qui se trouve dehors. Vous pouvez aussi les trouver dans les bâtisses. Et pour l'instant, je fais chou blanc. Par contre, quand je vous dis que le jeu est beau, c'est qu'il est vraiment, vraiment beau. C'est incroyable. Vous avez bien sûr, vous le voyez sur la map, des jet skis pour aller un petit peu plus vite. Le point D sera sûrement notre prochain rendez-vous. Vous pouvez avoir des atouts. J'ai eu un extended d'uranium, donc je peux emporter 10 au lieu de 5, ça c'est pas mal. Donc je vais plutôt aller chercher des caisses près des arbres dehors. Voilà, c'est le but du jeu. Vous pouvez bien sûr... mettre un petit peu trop de temps et qu'une squad arrive pour juste activer la bombe à votre place et c'est eux qui auront les points et ça c'est pas cool du tout. Néanmoins, mettre de l'uranium dans une bombe rapporte également des points, donc tout n'est pas perdu. Mais le must, bien entendu, ce serait de les tuer pendant qu'ils le déposent, parce que ceux qui ne l'ont pas déposé, eh bien, ils le lâchent près de leur cadavre et donc ça c'est plutôt pas mal. 7 uranium sur 10, vous le voyez en bas à droite. On va voir si... Le C est complet, ils n'ont plus qu'à l'activer, le E est quasi plein. Vous voyez en fait les barres jaunes progressives, le jaune remplir. Voilà, le point C est en train d'être activé avec le liseré rouge qui le complète. Il est rouge donc, voilà, ils ont activé une bebon. Faut qu'on se dépêche. Parce que bien entendu, l'équipe qui joue C va de suite aller sur le point le plus rempli. Et comme on est sur le point de dépasser E, voilà, C a explosé. Mais vous voyez, on monte, hein, 103 points, 194 pour l'équipe fantôme, on est toujours 10ème. Allez, on garde espoir. Mais pour l'instant, j'ai envie de vous dire, tant qu'on rencontre personne, c'est pas plus mal en vrai, c'est pas plus mal. Parfait, on a eu assez d'uranium, ils vont l'activer. Et on va aller ailleurs. Il y a un tank là-bas, incroyable. Allez, je pense que comme on a eu personne, inutile de s'assurer qu'il y ait quelqu'un pour la diffuse, on va se casser. Alors, le D-Point. Voyons ce qui nous attend là-bas. L'artillerie ennemie vous cible. Artillerie ennemie en approche. Il a l'air d'y avoir son père, j'entends pas de bruit. On est quand même passé 3ème, hein. Rien qu'avec l'explosion d'une bombe.
c'est pas rien, hein. Mais je pense que le bombsad, il faut le jouer smart. Il faut aller dans des endroits où est-ce qu'il y a peu de gens. Si vous voulez, au pire, splittez-vous. Mettez-en deux qui vont chercher les points vraiment en retrait, et envoyez-en deux qui vont faire du kill, si vous avez envie de jouer le kill. Mais on ne joue clairement pas dans un jeu de type bombsad pour faire du frag. Parce que non seulement il faut tuer les gens qui sont knocked out par terre, mais d'après ce que j'ai pu voir, pour l'avoir testé dans la bêta ouverte, vu qu'il est arrivé lors de la bêta ouverte, il n'était même pas dans l'alpha ni dans la bêta fermée, le mode bombsad, il ne me semble pas que les kills que vous fassiez en bombsad soient comptabilisés dans votre KD, dans votre ratio de frag. Je dis peut-être une bêtise, peut-être que ça va être changé avec le temps, mais au moment où je jouais, il n'y avait pas, les kills supplémentaires ni les morts que j'avais dans un bombsal dans mon ratio de match en domination ou en match à mort par équipe. Donc, à voir. Bon, on l'a carrément complété, quoi. Et mes 8 suffiront largement. Oh bah. Ils l'ont rempli. Parfait. Bon, ben, j'ai mes 8. Hein. Avion espion ennemi en approche. J'ai mes 8 à disposition. Allez, on se casse, deuxième bombe. On a déjà mis assez d'uranium, vous voyez, on est monté à 270. Quand la bombe va péter, on va prendre une petite avance assez confortable, je pense. Ils ont tué le second. Et c'était chaud, hein. Vous voyez, ils sont là, hein. On vient à peine de la faire péter. Hein. À quelques secondes de près, on se faisait invade par deux mecs, plus un mec sur le toit pour les covers. Hein. C'est pas évident. De 230 à 270. 220, pardon. Oh, oh là là, je reviens, je vais faire un brouillon. 320 à 270. C'est fou, le jeu est avec nous, il nous met des points vraiment pas très loin. Il faut juste attendre que le point se débloque parce qu'il a un cadenas pour l'instant. Réapparition de tous les points vu qu'ils ont tous pété. Allez, parfait, faut aller poser. Oh là 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 là, que ça fait plaisir de voir le démonter aussi vite. Est-ce qu'on va tout avoir? Ah, je pense pas. Aïe 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 aïe, pas assez, pas assez. Ennemi en approche de votre position. Et ben voilà, ça y est, on a déjà de la compagnie. Essayer de le poursuivre au pompe, je crois qu'il est mort. Voilà, il y a tout qui est fait. Allez, active-toi. Oh le bâtard, j'ai vu le C4 apparaître devant ma gueule. Oh l'enfoiré, ouais, 2v1, il va se faire manger. Aïe 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 aïe. Ah ouais, ouais, j'avais aucun repère. J'ai été mauvais, mais mauvais. En plus, je suis sûr que là, ils vont chercher à l'activer. Qu'est-ce que le violet fait là-bas? Sans déconner. Pourquoi t'es... Enfin, t'es par terre, là. Hein, t'es même pas en parachutage. Je le vois que t'es au sol. Ah ouais, non, ça y est, ils vont l'activer, quoi. Je peux voir ça impuissant. Oh, quelle horreur. Bon, on a au moins posé l'uranium pour nous faire quelques points. J'avais pu poser mes 8, c'était vraiment sympa. On est à 426, 273. Est-ce que c'est l'équipe fantôme? Soyez prudent. Je ne pense pas, il n'y a pas de point en plus, ce n'est pas fantôme, c'est une équipe autre qui l'a fait péter. Eh bien tant mieux. Si c'est pas le second, tant mieux. Ça veut dire qu'ils sont quand même encore loin. Enfin loin. Ils ont presque 200 points d'écart avec nous, ça veut dire également s'ils sont troisième. C'est pas plus mal. Avion de contre-espionnage ennemi dans les airs. Une fois que la bombe pète, vous voyez qu'il y a de la radiation qui s'active sur la map, donc il faut un petit peu se bouger. Si vous restez trop longtemps, ben vous allez perdre de la vie, et plus vous allez y rester, plus la vie que vous allez perdre sera d'une quantité croissante. Ouh, il y a une grosse caisse ici. C'est ravitaillement ?
Non, c'est une grosse caisse. Oh ! Parfait. Parfait, parfait. Même si ce genre de caisse est parfois piégé, hein, vous avez vu la petite explosion, mais bon, ça m'a pas fait plus mal que ça. Alors, le bleu, il est en train de cover en haut. Voilà, histoire de l'aider. Si ça prend des grenades en bas, le système trophy sera toujours là. Je sais pas quoi attaquer. Ah oui, non, le point E, ouais, il n'y a plus qu'à le faire péter. Ouais. Ah ouais, le collègue est un peu trop gourmand. Oh, il y a même des gens qui m'a spoté. Hyper vite de la vie quand même. Ça prend les balles, c'est bien. Au moins, si on perd, on sait pourquoi. À moins que ça t'arrive flanc gauche et que t'aies pas remarqué, que t'aies fait le trou du cul en te reposant trop sur tes acquis et en pensant que ton collègue qui était sur le toit pouvait te cover, bordel de merde. T'étais sur le toit. Attention, est-ce que tu étais sur le toit? Mais oui, tu étais sur le toit vu que je viens de réapparaître en bas. Et tu ne l'as pas vu me flinguer? Non, bien sûr, t'avais le visu parfait, incroyable. Allez, je compte sur toi pour me faire une cover efficace cette fois-ci. De toute façon, il y a le purple et le green autour de moi. Maintenant, on peut rester tranquille. Mais... On est trois et c'est moi qu'on choisit, c'est incroyable. Cette chatte que j'ai parfois, elle est ridicule. Elle ne sert à rien. Le bleu se fait flinguer. Tu n'as que ce que tu mérites. T'aurais dû mieux me cover. Faut rester ses alliés quand il le faut. Comme ça. Voilà. Incroyable. Toi tu crèves. Toi tu crèves. Faudra quand même que je réfléchisse. Est-ce que je les laisse par terre? Ou est-ce que je les tue? Je sais pas. Je sais pas quel est le plus long. Ah, celui du fond, je savais que je me reculerais pas à temps. Mince, il y avait une petite série qui était en train de se faire là. Mais en fait, on a tous été liquidés, d'accord. Bon, vous le voyez, quand l'escouade est liquidée, on attend beaucoup plus. 437. On est toujours premier. Il nous rattrape un peu, hein, on stagne nous. Je comprends pas, cet arbre en plus il est clippé, il s'affiche même pas en qualité assez décente. On arrive en retard, ils font péter la bombe. Il n'en reste plus qu'une, je suis en train de me dire, on va cumuler l'uranium, on va se trouver un spot tranquille, et on va aller déposer... Oh, un missile! Incroyable. On va peut-être se trouver un truc tranquille. On va attendre que le E pète, hein, et on va aller se caler solo quelque part. Parce que là, tous mes collègues sont là-bas, ils sont en train de le jouer le point, mais... En vrai... Non, je pense que voilà, je vais jouer le quatrième joueur, qui va plutôt jouer les points et pas aller à la confrontation, même si c'est pas con ce qu'ils font, ils sont en train d'essayer de flinguer, on fait du point. Ah non, ouais. Si je prends la RCXD, ça m'enlève le missile, alors je préfère le garder. Oh bah d'ailleurs, on va l'utiliser. Hop. Où sont les adversaires? Ah oui, ils sont un peu loin. Je vais toucher ou pas? Je peux pas monter plus haut? Ah oui, bon, il y a lui. Et mettre un mec en knockout de là où je suis, c'est pas mal, hein. Je suis loin quand même. Avion espion ennemi dans les airs. Allez les gens, ça sent pas la bombe qui apparaît là, ici, dans cet énorme chalet. Allez, le E va péter, une bombe va apparaître ici. Allez, croisons les doigts. Pas loin, en tout cas, s'il vous plaît. Où est-ce qu'il en est, le E? Ouais. Ça y est, allez. Oh, 40 secondes quand même, c'est long.
pas plus près en parant là. Bon, au moins, ça me laisse le temps tranquille d'y aller. Oh, il y a du monde. Ils sont deux, peut-être plus, je ne sais pas. On va tenter le clutch. L'insertion du joueur français. Moins un. Tout a plus de vie. Moins deux, parfait. Parfait, parfait. Allez, on fait les points. Oh, et en plus, oh là 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 là. Ils avaient tout, ils avaient tout. Il y a plein d'uranium autour de moi, j'ai plus qu'à poser, c'est incroyable. Parfait, parfait. Vous voyez les points qui montent. C'est parfait. Bon, allez, faut pas que les autres arrivent. Je pense qu'on a gagné, c'est bon. Allez, parfait. Bon, et bien les gens, j'espère que ça vous aura bien plu. Je vous laisse du coup sur cette victoire en espérant que cet extrait du solo et du mode bombe sale vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour un prochain test gameplay découverte. Portez-vous bien tout le monde, et à ciao !